Mec, ce soir c'est carrément incroyable. Salut à tous, ici Skido, le Padre, et on se retrouve aujourd'hui pour Love Resval et Kobalade. Alors là, Kobalade, il fait des petites réapparitions, hein, non? Oui. Toujours moins qu'avant, mais c'est vrai que là ça recommence un peu petit à petit. Oui. Mais je me demande vraiment ce que ça va donner là, parce que ils ont pas du tout la même énergie face au micro. Non, c'est vrai que Kobalade, c'est la folie. Et Love, du peu de ce qu'on a entendu, c'est plus lugubre, mais en même temps plus sérieux, quoi. Ouais, mais Kobalade, il est souvent un petit peu embué. Embué, donc. Puis il y a toujours aussi un certain brouillard autour de lui. Ouais, il est un peu perdu, hein. Toujours avec ses petites... Ses petites terres. Terres ? Ouais. Des petites terres. Voilà. Moi, j'appelle ça un joint. Oui, aussi, pour les anciens. Donc, le titre, c'est Vengeance. On va se lancer ça tout de suite. C'est parti. C'est pas... Nini ? Oui. Nini, hein. Effectivement, on aurait dit Niska. Elle est montée dans le vieux lanceur et le lendemain elle pense que c'est ma go. Je sais pas pourquoi on peine à ses biches, mais mon père a tout fait des saltos. C'est ma route Californie, j'ai la manette, le bénéfice du patron. Elle faisait du tard le sous-bas et cette pétasse m'a quand même dit pardon. Elle voulait le nommer vite, elle voit que je suis trop dedans. J'écrivais assis sur un banc, ce feu là ça choisit la vengeance. Bijoux et la posée pour charme, l'enfumée la Cali ensemble. Attends, elle a dit quoi là? Oh mon dieu! 280? Non, non, sur ce truc avant. Elle est pas très bonne, mais elle suce bien. Elle est pas très bonne. Ah, c'est la. De nouveau? Mais non! Non? Mais non, réfléchis! Ah non, je préfère. Ah! Mais non, mais un joint ne sait pas sucer. Non, sûr. Mais la personne qui l'a en bouche. Ah! Suce. Ok! Non, mais. Voilà, ça c'est combat tout craché, hein, des bêtises sur bêtises. Mais bon, on pardonne parce que c'est lui, quoi. Oui, mais c'est son cerveau qui lui dicte peut-être les paroles. Donc, parce que tu m'avais dit qu'il n'écrivait rien, donc tout sortait de son cerveau. Je sais même pas si tout ce qu'il dit, ça passe par le cerveau avant que ça sorte. Hein. À mon avis, ça sort directement, tu sais. Mais après, pour le reste, c'est pas mal. Hein. Tu sais, il y a toujours des bonnes petites mélodies attachantes. Mais en soi, il s'adapte à l'œuvre, quoi, juste avant, il reprend un peu le même flow. Bah, ça va, ça passe bien pour l'instant. À 280, au bout du virage à la poisse, le bal de fémé dans ma pocket après la pagasse. J'ai trop baisé, mais elle voulait trop. J'ai trop baisé, mais elle voulait trop. Elle m'a demandé de rester plus longtemps. Elle m'a demandé de me bouger du monde. Elle sait très bien que je suis pas là tout le temps. Je m'en sors juste après chaud. J'ai trop baisé, mais elle voulait trop. J'ai trop baisé. On va rien faire à part dîner. Cette femme a des secrets à pardonner. À la base elle bon, maintenant elle a vu VVS, appartement. Elle a rien pu faire à part tes mains. Elle a rien pu faire à part tes mains. Faut que je le barre 200 fois. Je les mécras et fume de la beuh sans moi. C'est que Paris va la leur détendre toi. Yo, elle veut sa vidange. Et ok, je sors mon ange. J'en sache dès que je la mange. Mouillé c'est étanche. Elle crie c'est étrange. Quand je tire sa frange. Royaux sont les chaussures. Je défile pour l'envers. Rentre dans la danse. Ça, voire immense. J'écris mes penses. J'écris mes pensées. Ok, donc là c'était pas mal non plus. En fait, il change complètement par rapport au début du morceau. Tu vois, au début il était allé dans la mélodie, bah, comme Koba. Et là, bah, il se ramène et ça kick, quoi. Ça kick sec. Donc ça c'est bien, parce qu'il prouve un peu qu'il sait faire les deux en un morceau. Mais ce serait bien que Koba il fasse ça aussi, tu vois. Et qu'il fasse peut-être un petit album, non?
Ouais, bien sûr, non. Mais ça, parce que c'est vrai que, il en fait. À mon avis, il fait pas mal de collabs parce que c'est vrai que cette police qui le met en déficit, ça, c'est vrai que c'est. Qu'il le met en déficit? Comment bah ça oui, hein. Bah oui, la police lui prend tout son argent parce qu'il a des excès de vitesse, et il était peut-être à 280, comme il dit. Donc, à mon avis, tout son argent part à la police, quoi. Et lui, ben, il doit toujours faire des collaborations. Ah oui, il doit faire des collabs. C'est sa amende, hein. Ah bah d'accord. Oui, hein. Mais tu crois pas qu'il a déjà assez d'argent dans le coffre, comme ça? Bah, je sais pas, j'ai jamais été dans son coffre, en tout cas, donc je sais pas du tout, quoi. Et puis, il aura toujours sa bonne femme, là, qui veut toujours rester. Enfin, elle veut rester, quoi. Non, elle veut qu'il reste. Bah oui, c'est ça, donc ils veulent toujours être ensemble, mais lui, il doit chanter. C'est compliqué, la vie d'artiste. C'est pas facile, c'est sûr. Non, pour ça, heureusement, je ne suis pas lancé dans ce monde-là, quoi. Yo, quoi ? Missile comme Lex Luthor. Lex, missile, yo. J'envoie des missiles comme Lex Luthor. Quoi, tu fais de la mala, on sait que tu dors. Elle veut de la romance, on lui jette une rose. Tu fais de la mala, on sait que tu dors. Je voulais la garder auprès de moi, mais c'est difficile. Les flics me mettent en déficit. C'est un coup d'abise, rajoute un sticker. Carbo depuis les potes des cuites. Je l'ai trop baisé, mais elle voulait. Je l'ai trop baisé, mais elle voulait. Elle m'a demandé de rester plus longtemps. Elle m'a demandé de me manger. Elle sait très bien que je suis pas là tout le temps. Je pense. La voix est basse, non? On t'en quasi pas. Ou alors c'est mon baf peut-être. Ah, c'est peut-être parce que mon baf il est en mono. Ouais, parce qu'il y a qu'un baf. Peut-être que c'est vrai que t'as l'impression que ça étouffe un peu le vocal, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, si tu veux, pour avoir le son stéréo, bah, il faut deux baffles. Logique. Donc mais peut-être que la voix de Koba est sur l'autre baffle. Tout est concentré. Mais du coup, on la zappe là. Enfin, ça fait qu'elle est toute basse ici, quoi. Mais après, je suis pas sûr, hein, mais... Est-ce que tu sais adapter un deuxième? Peut-être pas. Si, si. Si. Ah, oui. Tu as une carte son stéréo dans le Rien le à PC. Voir. En fait, t'achètes un deuxième baffle comme ça. Oui. Après, tu peux les connecter entre eux via Bluetooth, quoi. Ah, bah, ça y est. Ouais. Non, mais... On y va. On pourrait peut-être essayer, mais alors, où les placer pour que ce soit dans le champ studio, que ça donne bien. À mon autre oreille, ici. Ouais, un là et un là, mais je sais pas si ça, ça donnera bien avec la voix. Enfin, bref. On testera peut-être ça. C'est, ici, peut-être tout est concentré sur un baffle. Et alors là, on n'a peut-être pas non plus les effets stéréo qu'il devrait y avoir. Voilà, ça, ouais. Ça, c'est vrai que c'est pas con, quoi. Voilà, enfin bref, on dévie un peu du morceau. Mais moi, j'ai apprécié. Mais c'est vrai que c'est rien d'exceptionnel, quoi. Enfin, en même temps, c'est Koba. On peut pas en attendre quelque chose d'exceptionnel. Mais je tiens quand même à dire que c'était agréable à l'oreille. Oui. Parce que c'est bien mixé, c'est bien autotuné comme il faut, que ce soit Koba ou Love. Et en plus, Love qui se ramène en plein milieu de morceaux pour kicker, ça change la donne, quoi. Et ici, j'aime toujours ce Koba-là. Ce Koba-là. Voilà. Quand il chante comme ça, en douceur, au moins... Ouais, tu préfères ça que... Hein, quand il... Ouais, ce con... Bien sûr. Ouais, bah, je peux comprendre, mais moi j'aimerais bien en fait qu'il fasse des morceaux où il fait les deux, quoi. Ah oui. Parce que j'ai l'impression actuellement c'est soit l'un, soit l'autre, jamais les deux ensemble, alors que c'est le mieux pour moi, quoi, c'est le juste milieu. Mais il veut peut-être pas trop se fatiguer, donc voilà. Mais donc toi t'as apprécié J'ai apprécié. Début c'était un petit peu, mais c'est peut-être dû aussi, comme tu disais, que tout est centralisé sur un baffle, donc ça c'est possible. Mais au début, mais après, tout était bien détaché, je trouvais, au niveau des voix et alors de la musicalité. Donc, là, c'était mieux, c'était mieux. Ce qui conclura la vidéo sur Love et Koba. À mon avis, c'est la première et dernière fois qu'ils collaborent, parce que j'ai l'impression Koba, il va sauter sur des opportunités d'artistes qui sont en train de pop. Ça dépendra de la police. De la police. Ben, faut payer ses amendes. Oui, chaque fois qu'il a une amende, ben, il fait une collab, quoi. Donc, Ah oui, donc il en a pas fini, à mon avis. Hein. Non. À part s'il se calme, mais j'en doute. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like. Et on se capte la prochaine fois. Ciao.